Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve avec une coiffure approximative. Alors comment je me sens aujourd'hui? Bah, je me sens comme quelqu'un qui a envie que les choses passent très très vite ce matin. Voilà, tu m'arraches ma dent, on n'en parle plus et tout ira bien. J'ai reçu ce matin un colis Amazon, donc c'est mes deux robes de demoiselle d'honneur. Trop contente. Donc pour apprécier, je découvre ça au retour. Je pense que voilà, vous allez comprendre. Donc là, j'apprécierai pas du tout si je les ouvre. Et voilà, j'ai hâte d'être dans une heure. Je crois qu'Eric est encore plus stressé que moi. Alors là, je ne comprends plus rien. Et ben voilà, là c'est tout ouvert. Je vais pas vous cacher que là j'ai vraiment la boule au ventre. Je suis vraiment pas bien. Je tremble. Allez, ça va bien se passer. Nous y sommes. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer à l'instant. Donc je pense que je vais attendre un bon petit moment. Bon alors, vous allez très certainement pas comprendre ce que je fais là. Je suis chez Leclerc. Je suis évidemment sortie de chez le dentiste. Ça s'est passé, mais tellement bien. Il a été génial. Bah, je rentre à la maison, puis je vous expliquerai. Ça sera plus simple. Ça y est, je suis revenue. On a acheté quelques petites choses, hein, toujours un peu les basiques, avant qu'il nous manque les produits. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, je tremblais de dingue. Bon, il l'a vu direct. Je lui ai expliqué mon problème de ma dent, qu'il y avait des morceaux de dents, bref, que fallait que je vois, que ça m'inquiète parce que j'allais partir et tout, donc fallait soigner ça avant. Il m'a fait une, deux, trois radios pour voir l'état en fait de ma racine, voir s'il n'y avait pas d'abcès, ce genre de choses. Il m'a dit que ma dent était saine, que ma racine aussi, donc on n'allait pas retirer les derniers petits bouts de dents, c'était pas la peine parce que tout était sain, qu'il allait me donner des antibiotiques au cas où si jamais j'avais des douleurs, sinon je le prends pas, j'évite les médicaments déjà avec mon estomac. Et après il a regardé vraiment toutes mes dents. Il m'a dit que ça allait, quoi, il n'y avait pas de caries, tout était sain, donc ça c'est cool. Et je lui ai demandé s'il pouvait, voilà, ça c'est de l'esthétique, parce que ça me gêne. J'ai mes dents qui ont bougé depuis 2-3 ans, j'avais les dents très très droites toujours, et en bas elles ont bougé. Et résultat, il y avait une dent qui était un peu pointue et j'aimais pas, voilà, j'aimais pas. Donc je lui ai demandé s'il voulait bien me la limer. Il me l'a limé, vraiment très très peu, mais suffisamment pour... que ça me plaise. Résultat, j'ai pas eu d'anesthésie, j'ai pas eu d'arrachage dedans, voilà. Ça, c'est une très très bonne chose. Je suis trop contente. Je vais grignoter et ensuite, on va regarder ensemble les robes. Ah oui, mais sinon, j'ai reçu ça aussi pendant mon absence de ce matin. Un petit colis qui vient de Germanie, Berlin. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Bon, vous savez quoi, on va regarder. Ah mais oui, c'est vrai. C'est Happiness Boutique qui m'avait demandé de choisir parmi leurs bijoux, deux bijoux. Cool. Eh ben, vous savez quoi, on va regarder ça. Bon, déjà, c'est super mignon. Oh, c'est mignon. Alors, on est sur des boucles d'oreilles. J'avais envie, hein. Elles sont très glitter, on va dire. Ça peut être plutôt joli, même pour pourquoi pas le mariage. Alors, on est d'accord, pas discret. Faut les voir porter. Et l'autre, si je me souviens bien, c'est beaucoup plus discret et c'est doré. Voilà. Oh, c'est joli, ça a l'air d'être super beau. Je crois qu'il y a trois... C'est pas trop collier, mais tu peux faire trois tours. Oh, je vais essayer, puis on regardera ça. Mais d'abord, je mange. Je vais me faire le reste de la petite tourte chèvre épinard d'hier. Avec ça, du fromage et puis du blanc d'Inde. Ce sera parfait. Pendant que je fais chauffer mon four, regardez, j'ai passé le collier. C'est un seul collier et t'as trois rangs. Avec différentes pampilles des lunes, je crois, des étoiles. C'est hyper joli, ça, tu peux le mettre toute l'année. Hein. Très, très beau. Oh, il est fin, j'aime beaucoup. Alors, je vous montrerai les boucles d'oreilles après. Je suis avec mes deux robes de demoiselle d'honneur. Alors, pour ceux qui me découvrent que maintenant, je vous explique. Enfin, je réexplique. Les demoiselles d'honneur doivent mettre soit une robe mint, donc vert très clair, ou bien pêche très clair. J'avais opté pour une pêche. Que j'ai pas franchement aimé sur moi et là j'en ai pris deux. Je vois que les coloris sont pas pareils. On va voir. Je pense que ça peut être très beau aussi avec les cheveux super longs, peut-être. Voilà. Bon. Comme ça, je
C'est un peu large, hein, mais bon. Je viens de les désinfecter, au fait. Hein. Imaginons avec les cheveux longs. Ça peut être joli. Ça prend vraiment tout le lobe. Hein. À voir. Eh bien, écoutez, belle découverte, ces deux bijoux. Mention spéciale pour ce collier. Je le trouve tellement beau. Toute l'année, tu peux le porter. Je vous mets hein, le lien des deux bijoux en barre d'infos et le petit code promo Carolinaire. Si jamais ça vous intéresse, ils ont plein de modèles sympas. Et je pense que les boucles d'oreilles vont être très très belles. Je vais l'emmener pour le mariage, je pense. Bon, bah voilà quoi. Alors, on est sur, vous le voyez, deux coloris en fait différents. Mais on reste toujours dans le menthe, hein, le mint, on est d'accord. Elle est plutôt semblable à ce que j'avais vu. La longueur, je sais qu'elle va être trop longue, mais j'ai prévu de la faire raccourcir, ça c'est sûr. Voilà. De la taille à voir, et puis bah, l'encolure, enfin tout ça. On a la ceinture, bien évidemment. Après, je fais ce que je veux hein, au niveau du nœud. Regardez, voilà ce qu'elle donne. Ça, moi je trouve franchement que c'est pas une jolie taille. Longueur, c'est soit plus long, soit quoi que ça fait 13 années 60, soit légèrement plus court. La deuxième, c'est la fameuse robe qu'on peut porter de plusieurs façons. C'est joli quand même. J'aime bien. Regardez. Vous voyez ou pas? De toute façon, il faut que j'essaye. Bon, bah clairement, j'adore. J'aime beaucoup. Mais, j'ai peur qu'on soit sur du... Non, c'est mint. Eux, ils mettent que c'est mint, alors... Mais j'ai peur qu'on soit sur du turquoise, limite, je sais pas. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est joli comme tout. Et en plus, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Bon, bah celle-là, c'est validé. C'est une très bonne chose, cette robe. Je suis très contente. Je vais aller à la pharmacie, là. Chercher mes antibiotiques, ça sera fait. Je crois pas que vous ayez vu Jack aujourd'hui. Bah non, bonjour. Oh, que tu es beau. Tu parles? Oui, je parle. Quand j'irai jeudi à mon petit week-end en amoureux, c'est dans une grande ville, j'essaierai de me trouver un soutien-gorge pour ma robe. Mais vous savez, adhésif, en fait. Qui que des adhésifs. Forcément, qu'il n'y ait pas de lien dans le dos. Ça se fait, hein, je pense. Je vois bien ça chez Tam Lingerie, moi. J'ai jamais testé ces soutiens-gorge, je sais pas ce que ça vaut. Mais j'ai un peu peur que sous les tropiques, avec la chaleur, ça glisse. En même temps, je me vois pas ne pas mettre de soutien-gorge. Hein. Vous voyez mes chaussures, ça c'est celle que j'ai prise chez la Halle. J'aime bien, mais je trouve qu'elles font grandes. Pourtant, c'est que du 37, mais elles restent larges. Mon petit limage dedans, eh ben, il est un peu, il me sensibilise là-dedans. Ça fait pas mal, mais ça fait comme s'il y avait des petites décharges. C'est normal, je pense. Il s'arrêtait au bon moment, quand même. Mais ça me gêne plus, c'est dingue, quand même, tout ce qu'on peut faire. Je lui ai demandé également, vous savez, pour ce que j'ai reçu, là. La marque m'a envoyé un blanchiment, un kit de blanchiment. Je lui ai demandé. Il m'a dit, il faut le tester sur les dents du haut ou du bas. Et il faut voir s'il y a une sensibilité dentaire. Voilà, donc, je peux le faire. Ça y est, j'ai pris d'autres trucs, en gros, ce flippé que je suis. Pour, vous savez, là, pour laver les mains anti... antivirus, tout ça. Moi, avant de partir, même de revenir à Saint-Martin, je ne fais plus la bise et je ne serre pas les mains. Bah voilà, je suis pareil. Donc, antibiotiques, amoxicilline, bain de bouche et ça. Mais je rigolais à peine, hein. Franchement. On est quand même au top de l'épidémie de grippe, là. Un truc comme ça et tu peux plus partir. Celui-là, apparemment, enfin celui-là, tous, hein, il élimine quand même pas mal tout ce qui est virus. Donc, grippe, ça doit être bien. Je suis dans le bureau d'Eric. De toute façon, ce sera un soir, on met une mission, puis on tire. J'attends qu'il soit libre. On tire. Ah, bah oui, on tire. Pour lui poser une question. Et. Attends, il a bien bossé sur. Oui. Il y a The Voice samedi soir. Oui. Il y a The Voice samedi soir, donc c'est bon. Samedi soir, tu veux. Mais même s'il n'y a pas The Voice, hein, bébé, t'es dégueulasse. Non, c'est bon. Bref, je disais soir, que. Enfin, il a bien bossé sur le deuxième titre, franchement, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Donc, samedi soir, avec le titre, il est vraiment très bien aussi, beaucoup plus profond. Mais t'es trop mignon, toi. Par contre, je sais pas où t'as été te mettre. Mais tu es tout sale, mon petit chou. C'est pas possible, ce genre de choses. C'est de la provocation, on est d'accord. Je suis en train de préparer à manger et j'ai oublié de vous montrer. J'ai mis le petit vernis, là. Les vernis. Ils ont l'air pas mal. Ne prenez pas peur, c'est bien moi. Il est minuit, je suis en train de me faire un petit masque relaxant. C'est mon préféré, le masque noir comme ça, à la fleur d'oranger. Il sent bon, il est tellement efficace.
J'ai du mal à parler quand même. Hein. Il laisse la peau toute douce, j'adore. Faut le laisser une demi-heure par contre, c'est un peu long. Mais ouais. Oh là là, vous avez vu cette ombre? On sait pas si c'est humain, ça. Bref, je vais vous laisser là. Et je vais vous dire à demain dans un nouveau vlog. Salut.